Point 5-7. Comme on dit, jamais 203, c'est la troisième qu'il fait. Oh, elle est fine, elle est belle, elle est bien déposée de la part d'Emmanuel Éveillard. Et oui, petit clin d'œil vers son public, 7-8. Quelle attaque autoritaire de Thibaut Thoral en 1 contre 0. C'est pas passé loin dans Ace. Et ils arrivent quand même à conclure le point, l'équipe de Surf Bar, 14. Il vient attraper les doigts là, Thomas Neveu. Et changement. Oh, c'est dommage, ils n'étaient pas loin de la relever celle-là, mais une grosse attaque de François Ribérol, plus 3, 18-15. Ah là, il y a des dizaines et des dizaines de matchs joués sur le sable pour Thomas Neveu, du métier. Quelle défense d'Emmanuel Éveillard. Le beau bloc au bon moment, Thibaut Thoral, 5-3. Ah oui, hein. Ah, quel échange, vous vouliez du spectacle, il est au rendez-vous le spectacle dans cette finale du tournoi prestige masculin. C'est pas payé. Quelle double défense d'Emmanuel Éveillard, vous pouvez l'applaudir. Eh oui, j'espère que vous appréciez tout le travail de fond réalisé par Emmanuel Éveillard, qui est présent en défense, qui est présent au soutien. Oui, je l'ai entendu dans le public, vous avez raison, il est toujours là. Quel nom. Elle est belle celle-là, déposée délicatement sur la ligne et ça marque, direction le tie-break.
Oui, il y était, Jérémy Mouyel, il l'avait vu, cette petite balle déposée d'Emmanuel Éveillard. Quel point ! Quel point ! Ouais, magnifique, magnifique. Et quelle défense de Jérémy Mouyel. Hein. Il avait deux bloqueurs en face de lui, Thomas Neveu, il était passé, mais derrière il y avait Jérémy. Jérémy en défense qui ramasse. Et c'est fait, c'est fait. Victoire du surf bar sur un ace de Jérémy Mouyel. Et oui, le surf bar composé de Jérémy Mouyel, François Rivérol et Valentin Boulot. Ils étaient opposés à l'équipe de la ville Gromy. Et ils gagnent 15-8 cette grande finale du prestige. Et oui, hein, et bon, on imagine le grand bonheur pour François et Jérémy. Hein, ça faisait deux fois qu'ils échouaient en finale du prestige.